Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un réel plaisir, encore une fois de plus, de me retrouver devant vous. Bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live pour ce numéro où nous avions prévu de vous parler de l'état de siège. Mais il y a des choses qui nous ont empêchés parce qu'il y a des éléments que nous sommes encore en train d'attendre pour que nous soyons fixés. Nous ne voulons pas vous donner des éléments qui sont incomplets. C'est sur la situation effectivement de la ville de Butembo. Et je crois que aussi vous aviez suivi dans les réseaux, sur Twitter, dans d'autres YouTube, un monsieur en blanc qu'on a arrêté en disant qu'il était en train de former les ADF pour manipuler les drones et tout ça. Ça, c'est un dossier que nous sommes en train aussi de suivre. Et nous, dès que nous aurons tous les éléments, nous aurons à vous les donner. Parce que nous avons déjà presque à 80% l'identité de ce monsieur et d'où il vient. Alors, nous allons parler de quoi aujourd'hui? Parce que nous n'allons pas trop nous attarder sur l'état de siège. Nous réservons cette émission d'état de siège, je crois, dans le week-end, où nous aurons à rassembler tous les éléments qui manquent à ce que nous puissions fixer sur l'armée, comment est-ce que les patrouilles sont en train de magouiller, Babiloko et Bélé, armée, comment ils sont logés, est-ce que crédibilité et armée n'a pas de assurance que va gagner la guerre. Mais nous en parlerons dès que nous aurons tous ces éléments-là. Aujourd'hui, nous allons parler effectivement de l'organisation un peu, parce que beaucoup, il y a 145 territoires, il faut que j'éclaircisse ça, il faut que chef de secteur, Bazali, mais Bazalakate, il se faut, j'ai des confirmations ici, soko tuni mutunyo so, administrateur de territoire azana ni groupement ya batu. Même parmi les groupements où il y a des isani l'état qui n'a qu'au troublé batukuna, la structure du pays existe. Alors nous allons parler un peu de ça. Donc l'obalisu soupe na le discours du président de la République, qu'est-ce qui est selon vous, selon moi quoi, ndeni ni nayo ki discours wana nayo ki ango na kope sabino mon point de vue officiel na émission à l'élo. Donc, gardez bien vos ceintures, nous allons y aller. Et puis, moi, je vais vous dire ce que j'ai écouté, ce que j'ai compris de ce discours-là, naba analyse nangai et la projection de l'avenir. Et puis, nous conclurons. Na conclusion, na biso boye di kakatope saka, le chemin où est-ce que nous pensons que le pays peut aller pour na kobimana bourbier otoza na kati. Alors, comme d'habitude, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet, et puis nous revenons tout de suite après pour la présentation de ces titres. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. RDC, ministre des Sports, près d'un million de dollars décaissés du trésor public sans justification. Et puis, un ministre... Sécurité en Bujimaï, un sujet rwandais installé dans une grotte à Lukalaba, le ministre provincial de l'Intérieur interpellé. On va sur actualité.cd. Sud Kivu, une position de l'armée attaquée par les miliciens dans le secteur de Tanganyika à Fizi a tué un soldat. Et puis pourquoi Bintou Keïta change de narrative sur le phare d'essai? On va sur Congo profond. Pour l'appel Kinshasa Gombe, Bukangalonzo, un fidèle de Matata Mponyo condamné. Et puis état de siège, un Jordanien formateur au pilotage des drones, des ADF, mis aux arrêts à acheminer à Kinshasa. On va sur 7 sur 7, 9 civils pris en otage par les ADF à Irumu, ça c'est en Ituri. Et puis Muyambo s'autoproclame. Après Baba Kyungu, c'est moi qui prends les commandes de l'Union Sacrée dans le Katanga. On va terminer par Radio Okapi. Kisangani, l'ONG Saouti a
Bunga appelle au dialogue entre le gouvernement de l'or et l'ordre des infirmiers. Les femmes de Beni Boutembo plaident pour endiguer l'infiltration au sein des services de sécurité. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro, au revoir. Voilà, merci beaucoup en tout cas. D'abord, il y a aussi une chose que Batebele Babengingaï sur ce qui se passe à Kinshasa aujourd'hui. On a expulsé une dame, Soukaza, deuxième bureau à président. J'ai vu les enfants, ça m'a fait du bien. Tant on a moni bana wana ne bakokani na mokonzi, pe sa inga bien. Mais la chose que moi je n'aime pas, c'est que je n'aime. Ça n'intéresse pas le pays. Botika koye bisko tuna ngai ba mituna omoni ndenini omoni sko baza ko expulser ba tout ça. Non. Écoutez, nous ici à Contact Pro Live, nous sommes concentrés sur ce qui peut nous relever. Rappelez-vous que émission Nabiso Awa, nous parlons de la constitution qui sont liées avec l'actualité. Bien sûr que expulsion à mutu ya mama wana des nationalités, ceux qui belge tout ça, n'a habité Babylon quoi. En tout cas, je ne veux pas me tremper dans ces polémiques là parce que pour moi, je pense que Ezako avance PIT. Ça ne nous avance à rien. Ezako a une distraction et a battu. Oh, il y a un réseau pour. Bozotal a mené un scandale, Ezako a mené de scandale en scandale. Et ça, cela nous éloigne du problème le réel du pays. Donc, Nakosu Kawana vraiment bolimbi sangai, likambwa mamana, ngai, nazo kota te. Et l'actualité, c'est ça, Kinshasa. Batounion, ce comica, tout ça, c'est moi, en tout cas, ça, c'est. Si vous êtes venu ici pour penser qu'il y a un olobela blokwanate, un olobela blokwanate. Alors, nous allons commencer d'abord par l'Ikamboa discours à président de la République. Moi, j'ai retenu à peu près deux points. Oh, Penzo est retenu, parce que je n'ai pas eu le temps de suivre Babilo Konyoso. J'ai suivi le point où il a parlé de l'état des sièges. J'ai suivi la partie où il a parlé des organisations des élections. Et puis je vais donner mon point de vue. Bandeko, moi, ce que je pense que le président de la République a mis Fungola qui est Mokoke, Nazo Kokate. Quand vous dites que état de siège, ça fait 20 ans que cette histoire-là de l'Est existe. Mais vous avez lancé l'état de siège en parole. L'état de siège n'a jamais été préparé. Botala même comment Monisco et Angomoko et réagissaka. Pour lui faire plaisir, on lui dit, bon, ok, nous allons vous accompagner dans ce que vous allez faire. Mais Bandeko, état de siège, on a tout préparé à Yangote. On n'a pas préparé cette histoire-là. Si c'était notre armée qui pouvait aller Kokendeko, ça, l'état de siège, Kuna, nous devions absolument avoir un plan. Qu'est-ce que nous allons planifier? Et ça, la Babylon, on a tout ce qu'on a dit, état de siège, on a par la foi. En prononçant l'état de siège, et vous allez voir, même les reporters, monsieur le lieutenant Gilles Ngongo, c'est un type qui a se présenté na conviction, la façon dont il fait son reportage, j'aime bien ça. Mais malheureusement, c'est une coquille vide. Et ça, coquille vide, parce que Babylon Kwazo Loba, sur le terrain, ça, Babylon Komsusu. Bandeko, guerre, oh, et qu'on dirait pendant 20 ans, comme ce qui se passait en Afghanistan avec les Américains. Et donc, oh, on a toujours la solution, moko. Ce n'est pas par les armes que l'Ikambo est aussi là. Alors, dans le discours, le président de la République, il a montré ses faiblesses. En tout cas, pour moi qui connaissais que les cas sur le terrain, là, il a trompé. À cause à qui? À cause à qui pratiquement, même à Kolobakeno, bon, nous allons organiser les élections, bien sûr. À cela qui, comme je vous avais dit hier, à cela qui, modèle Nayoana,
ba promesse le kaki donc à l'ekisia à beti bino li kamoko pour mais sur terrain li kamboza eza msusu même pour les élections aujourd'hui bota la bloc bino moko comment est-ce que tozo potana kaka awa ezo la kisakaka que nous n'avons pas le maîtrise toza na maîtrise ya babiloko oyo toza ko salate nous n'avons pas la maîtrise. C'est pour cela que vous allez voir que notre pays est un scandale. Il y a 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 un scandale. Donc, et puis, il y a un scandale. Il y a un parlement. Il y a un transco. Nous vivons que des scandales, des scandales, des scandales. On ne se concentre pas sur une chose au lobby. Bande kotoza mikolo o programme na biso ezali bo etolandela yango et puis population suivre pour supporter mouvement et supporter babilo kwa na nyoso ba action président de la république. Non, mais on l'embrouille, président de la république a embrouillé. Beaucoup de gens pensent que le président s'est mal entouré, mais il est grand temps que lui-même puisse atala nengini makambo ngozo kende. Il est grand temps c'est que à se réorganiser, à se prendre à l'obité, tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as réfléchir que non. Tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as un chance à réfléchir à ce non. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Comme tu as commis na ba élection, milinga. Ezako tindi kabiso to kende ko sala ba election moko biaze. Ezako tindi kabiso to reprendre les sous babilo ko na kala. Na tricher tout ça parce que na moment oyo. Soki to meki kala ko kende na ba election. Ba election ko kende président ko ako tricher, il sera obligé de tricher. Or, ça n'aide pas le pays. Mon cannabis, c'est ça. Tozo kende, soki to kende wana, monguna na biso nde alongi. Or, c'est le grand temps pour l'instant, Yakoloba. Non, nous sommes en train d'aller dans une mauvaise direction. Qu'est-ce que nous devons faire pour arrêter, pour que to résoudre le problème, na biso ya libela que to trouver ma solution, oye koti kala kaseko, to yebika la keno. En tout cas, maintenant, les bases de notre pays sont assises. C'est le moment. Tout dit que quand on a babilo ko ya vite fait au salibo et oh non, on va faire un recensement vite. To kende to repousse à l'élection ngo e kozala na ngo kaka ndenge wana to ko ya kozonga la babilo ko na nous n'avons pas résolu aucun problème parce que monguna lelo azako loba que non, le président de la République n'a rien fait. Il n'est en train que de tourner en rond. Et là comment quoi zo ça les athées. Mon goulou a zozoa kaka de plus en plus ampleur à Kola Kisake. Non, ce qu'il fait, ce n'est pas ça. Donc on l'embrouille, le président de la République, elle est embrouillée. Nyo soane zanini bandeko. Nyo soane zali kaka. Ye moko. Le président de la République, lui seul, se mit dans ce pétrin ici. Parce que tant que vous avez un pouvoir, je crois que vous avez un plan. Mais le président de la République, comme il l'avait dit, il n'a pas réfléchi sur le fondamental de notre pays. Notre pays souffre de quoi? On n'a pas encore analysé. Disons, l'analyse est là. Les gens éveillés savent que. Et donc, on n'a pas marché. Même la MONUSCO, ça, c'est. Problème n'a biso eza wapi. MONUSCO yebi. Mais MONUSCO ko ko ya ko pesa biso ba leçon te parce que nous les Congolais nous pensons que nous connaissons. Mais ce que to koti penza bien na ba même ba Congolais ba msusu. Le problème est où? Ba division, ba guerre, ba marche, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Le Congolais to fa nanano. On s'acharne, non, toko bongi sabo. Le problème du Congolais, c'est l'économie. L'économie n'a pas eu ce qu'on a assité sur le sable. Les fondations de notre économie, exacte. Bah, fondamental, n'a pas eu ce qu'on a. Voilà ce que j'avais à dire sur ce discours. Maintenant,
Il y a aussi une question que je voulais évoquer ici. Peut-être que n'annonça qui a monté na banane na prélude kuna. C'est la question des universités, bandeko. Ce qui se passe à l'enseignement, il y a l'enseignement na biso. Likamboyo ministre azwa qui pour na ba université, parce que cette question là j'allais oublier, il fallait que j'en parle aujourd'hui. La solution c'est quoi, bandeko? Ba toi solo ba que non. Tout ça. Moi, je dis ceci. Est-ce que c'est tout le monde qui est appelé à être médecin? Ce qu'il devrait faire, l'ETI en Afrique du Sud, Bandeko, sachez qu'il y a une université privée à la Kate. En Afrique du Sud, il n'y a pas d'université privée. Il n'y a pas d'université. Non, il n'y a pas d'université privée ici. Non. Et ça, quand on a un collège, le collège a privé Zali. Mais l'université, ça ne peut pas être le chemin de tout le monde. Aux 8 diplômes à 50%, aucun Kolingao sa la médecine. C'est par là où il devrait commencer. Place où on a fallait pas bander là. Bah, redéfinir qui peut aller à l'université. Mais c'est facile à Koloba que non, bah, tokangi bah, bah, université, wana, bah, na, wana. Tout le monde devrait se conformer. Aya, pour ça, la test, na, bah, ces universités, wana, oh, et ça, agréé, bah, bah, tokotika, na. Les gens devront se conformer. Mais tokobanga, bah, tout, bah, ça, qualifié, c'est la santé qui est. Moi je crois que biloko nous saison bota mapona nini parce que nous faisons les choses dans la précipitation même ba état de lieu ba état généraux ya kampiana ya enseignement kuna. Regardez comment est-ce que ça a été fait. Tous les 100, moi j'ai lu les ceux qui 300 résolutions en a. Je n'ai pas vu quelque part où on devrait requalifier les étudiants aux universités. Bandeko, awa système Afrique du Sud awa ezali boye. Ba classifia à partir ya secondaire, banani yango ba koki kokende na université. C'est pour cela et pas na biso, biloko nyonso tout eza foutu. Ici tant ozozwa examen d'état na yo, point na yo nde koye bisa yo place kokende. Point na yo soko zwa ki 30 koyi kokende kozwa inscription na université te. Et comme l'université c'est unique, ça est l'État, vous ne pouvez pas vous quitter. Vous êtes orienté dans la place où vous avez un point. C'est pour cela que mon élève, mon étudiant, mon élève, pas à côté de l'université, on cherche les intelligences. Et les bourses sont octroyées aux intelligents. Au bazar, 70-80%, les universités les appellent. L'université, c'est un monde des élites, Bandeko. Ce n'est pas n'importe qui. Oh, 300 personnes, on a qu'on soit inscription à l'université à Kinshasa. Qui vous dit que tous se sont qualifiés? On a un diplôme à 50%. On a un diplôme à la médecine, on a un diplôme à la polytechnique.
Nous avons négligé tout ça. Et là, nulle part dans ce rapport n'a jamais été dit. Moi, je me pose la question, et le Congo est à Nini finalement, na Congo. On prend les tout à la légère. Je reviendrai sur ce sujet-là. Na kozonga la sujet wana. Bobanga te, parce que nous avons un élément épelé sur ce qui est, parce que j'ai lu. Na tanga ki nani wana, nani, oh ya ya ya. Il y a une diversité, et puis ça m'a choqué. Je me suis dit, bato bakende ko sala tourisme, bakende o mela masanga na bango kuna, parce que ils n'ont pas parlé de la réqualification des étudiants. Voilà, finalement, biloko na université za coupé sa mutu passe. Nous allons opposo yo kana katia banani wana na katia ya bato bazako lo baloba. Oh non, comment on va faire biloko nyonso tout zizanie zali. Bandeko, vous allez donner les véhicules aux députés. Bomi, ibi d'abord bino moko. L'emploi autocopé ça va emploi, ça vient automatiquement. Oh, salaire mbongo kota ki belé, tout ça doit venir automatiquement. Quel est l'investisseur qui vient au Congo? Ngana koleke na kozonga la biloko wana te, mais je donne ma solution bandeko. Ba tu a ide pesse moyo kanga bien awa. Quand nous sommes en train de réfléchir sur la constitution, qui est la base, l'origine même ya nani ya mboka na biso. Constitution na il kosa le mandenge nini pour que tout le monde adhère, pour que batu nyonso tous ala na confiance na mukanda na biso wana. C'est pour cela que nous avons parlé de 145 territoires. Nous devons commencer par avoir le consensus au niveau de la base. Bandeko babiloko ya ba parti politique eza kozongisa biso sima makasi. C'est ainsi que moi j'ai dit que le président ait le courage de dire ceci. Bandeko nangai, je ne dissolve pas le Parlement ni le Sénat, mais je le mets en congé pour que bakendeko réfléchir na base comment nous devons réécrire notre constitution. Comment nous allons réécrire notre constitution pour que tous à la kabiso nyoso biloko nyoso kouta na se. Et kamba biso nyoso. Et kamba justice na biso. Et il doit y avoir des points. Babilo ko ezali nango. Batwa mayele, ce n'est pas moi qui a conçu ce plan ici. Ezanga ite. Je suis parmi les gens qui sont en train de réfléchir comment est-ce que nous pouvons arriver à avoir une unité à la base. Donc réconciliation même à la base. La façon dont on est en train de le faire aujourd'hui, ça ne peut pas aller, ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Il faut planter le décor. Yakoloba mboka na biso, eza mboka na biso, nous allons nous prendre en charge. Le peuple sera d'abord. Makambo a parti politique, yaba malet, wana toti kangona nou à côté. Concentrons-nous à reconstruire notre pays. Et le président de la République peut le faire. Pas avec les politiciens qui sont à Kinshasa, mais avec les gens qui sont sur le terrain. Il suffit tout simplement à shift mind na lobby, ngana ko sala na base. Soko bandi ko sala déjà na base, comment ko mobiliser base. O lobby boza na pouvoir ya ko loba ya ko bandela pays. Les gens qui sont à Kinshasa vont courir vite. Ba ko kende ko bandela ba chef wa groupement. Bah chef à la localité, bah chef, ils iront. Parce que quand vous donnez le pouvoir à la base, Batunyon surtout bah kende kuna, et c'est de là où ils vont se mettre d'accord en disant, voici comment on peut faire dans notre territoire, comment nous pouvons vivre en paix ici. Malgré les richesses qui se trouvent ici, il faudrait que conscience wana ezala implémenter na katia population à la base. C'est ça que na mokuse quoi, c'est ça. Il faudrait que la base puisse se prendre en charge. Bah y a base à la conscience koloba que non. Maintenant ce n'est plus Kinshasa. Ce qui to kangi mutu awa,
aza koyiba biso moko to ko appliquer mobeko na biso awa mobeko wana ezali mobeko oyo etangemi na République démocratique mobile. Ce n'est plus au président de la République de venir nommer un administrateur du territoire. Non. Ce n'est plus l'État qui viendra de nommer un chef de groupement. Non. Bah, toi, le temps où tu as le pouvoir, ils seront en mesure de faire respecter les lois de la République à Koloba. Awa na tribu na biso. Awa et pas na biso, awa na moulenge. To yebi ke mutwa na zalamuni. Un suspect est kokota awa, akwa kozongi sabiso na makambo kobomana awa. Et ko genere loko wana. C'est ça justement que je me dis. Solution ezali kaka moko. Et c'est par là que je vais conclure cette émission en vous répétant encore cette histoire ici. Bandeko, les états généraux des territoires sont une voie de sortie. Oto koki kozanga te, oyo koki kozala. Yango nde principal oyo eza koki komene biso na koasoir pays na biso ya kokota na 4e République. Oyo constitution oto kokoma ezala écrit par les enfants, par les dignitaires batu oyo baza na pouvoir pendant ce temps ici. Eloko oyo batu oyo biloko oyo ya guerre eza kosila te. Pourquoi? Parce que Kinshasa s'entête de remettre le pouvoir à la base. C'est ça le secret. Tolingi kaka to salaka makambo ndenge bande kozala kala. Mundele asi aboma biso aboma et en nous centralisant, en nous mettant que en négligeant l'intérieur du pays, il a fait à ce que nous pensons, commençons à penser que l'intérieur du pays est un intérieur. D'ailleurs, vous connaissez. Ce sont les gens qui étaient dans les villes qui étaient considérées des évolués. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Remettons le pouvoir à la base pour que la base puisse dicter comment nous allons commencer à contrôler le haut sommet. Et si nous le faisons très bien, le président restera dans l'annale de l'histoire. Et qu'aussi les sababilo konyo ya mike mike. Attends mon mando ke okiko beta mate. Parce que la base se prendra en charge. Tokoloba ke non. Maintenant le pays changement est koti. Nabiso nenge changement est koti. C'est à nous maintenant de voir comment est-ce que nous allons construire les routes. Mbongo o tokozala nango comment nous allons les contrôler. Et kozala randenge nini ti tokoma kana sommet. Tokobongisa mboka nabiso nenge wana. Nous allons continuer l'idée Oyo, Yakoye Bisakake, administration Nabiso, Tokotan, implication à la population, il faut les alandengenini, et puis Nabazon à sécurité, comment on peut reconstruire une armée républicaine sur toute l'étendue du territoire, quand la paix, quand le tribu seront. Se reconnaîtront en disant que « Oyaza Muyomba » comme on s'appelle en Swahili « Ni ba yomba etu bale bale ni ba balantoba batoka chini bale ni batoka kasongo o balikuya kauku nous connaissons qui est Congolais qui ne l'est pas » à ce moment-là, awa, biso awa, toyebi, eloko ni nango toko sala. Les États-Unis, c'est une forme de ce que je suis en train de dire ici. Mais tous ces États-là, sont dans un seul état qui est les États-Unis. Mais on reconnaît ba administration fuezala, ba tukuna ifo ba sala ka ba balona kanini, masango e utaka wapi, miogo na tokea ka wapi. Nous devons connaître tout ça pour que développement mboka na biso ekende liboso. Merci. Pour terminer, je vais encore lancer un appel à tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés. Pardon, abonnez-vous. Partagez nos émissions. Laissez des commentaires, bah commentaires nabino net émission à l'élo. Et ça surtout y'a bah commentaires belé au bah quoi ça colo. Naébi que na répondre à peu près à 4 ou 5 questions qui se répètent na bah email au bottin de la langue. Alors, donc comment on a sous lobby? Portez-vous bien, en tout cas que toutes les bonnes choses. Avec plaisir, nous serons encore demain à la même heure.